Pétunia dans la maison, très bien. Et Drabouillon dans le bosquet. Et Basile dans celui-là. Attention, j'arrive. Enfin, j'arrive. C'est vite dit. Je n'ai aucune idée de l'endroit où ils ont pu se casser. Moi, je sais. Si tu veux savoir aussi, c'est très simple. Je me contenterai d'un morceau de gâteau par cachette. Allez, debout là-dedans. Bah ça alors, comment as-tu fait pour me trouver tout de suite? Le flair, Basile, le fameux flair des sables violets. Oh, assez malin, Bagou. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de chat violet? C'est une blague, hein? Laisse tomber, tu ne peux pas comprendre. Allez, venez avec moi. On va chercher Pétunia. Où elle est, d'après toi? Dans la maison, bien sûr. Hein? Dans la maison, hein? Dans la maison. Elle est marrante, la taupe. Elle aurait pu m'en dire plus. Alors, Bagou, panne de flair, hein? Je vous attendais. Vous devez avoir envie de jouer, vous aussi. Allez, ouais. Je vous laisse votre temps. Trop sympa, Bagou. Ni chat, ni violet. Moi, ma super truffe me suffit. Ben moi non plus. Tant pis, on mangera le gâteau sans elle. Oh, vous l'avez même pas cherché. Vous l'avez pas enfermé dans l'armoire quand même? Oh, il s'est ouvert, Thanos. Oh, il y a même des araignées. Oh, du calme, Pétunia. C'était juste une petite... Toujours les mêmes qui se freinent des trucs sur la tête ici. Bon, je commence à en avoir ras-le-museau, moi. Comment ça, passer par la fenêtre? Mais vous n'allez jamais la retrouver. Et je vais rester enfermée dans l'armoire. Au secours! Pas de panique, Pétunia. Fais confiance à mon instinct légendaire. Je t'accompagne. Mon flair ne sera pas de trop pour t'aider. Coucou, Pétunia, tu me vois? Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Qui sait? Je ne me serai jamais cachée dans l'armoire. J'ai bien trop peur dans le noir. J'étais là, derrière. C'est ça que vous cherchez? Un gros morceau, ça marche? Un gros morceau? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Merci. Ah, bravo, monsieur le chat violet. J'ai compris d'où venait votre soi-disant flair. C'est moi, et moi seul, qui délivrerai Pétunia. Tu n'es pas digne de confiance, espèce de faux flair. Voilà, tu es libre. Et qui c'est qui t'a délivré? C'est Drabouillon. Oh. Amuse-toi bien, Drabouillon. Nous, on va goûter. Non, Pétunia, tu ne peux pas faire ça. Bien sûr que non, pauvre banane. C'est juste pour te faire comprendre que ce n'est pas bien d'enfermer les gens. Mais attends un peu que j'essaye. Rien à faire. Il faudrait un petit outil très fin pour aller farfouiller dans la serrure. Qu'est-ce qu'il faut? Et voilà.
Et maintenant, pour oublier tout ça, on pourrait peut-être déguster notre super gâteau, non? On va se régaler, hein? Ouais, il était pas mal cet épisode, hein? Oh, Grabouillon! Allez, c'est pas grave! Mes puces! J'ai perdu mes puces! Mes puces! Bonjour, la famille Puce qui pique déménage. Nous cherchons un chien calme et surtout tranquille!